Lorsque l'on découvre pour la première fois le château de Marugame, on est tout de suite impressionné par les immenses murs de fortification. Le donjon, lui, nous domine et semble poser la question « Oserez-vous tenter l'escalade ?» Commençons déjà par franchir les douves et traverser la porte principale du château. La montée est assez raide. Lorsque l'on finit par découvrir le donjon, derrière le voile blanc des pétales de cerisier, c'est le soulagement. Et dire que cette colline est quasiment artificielle. Murs de plâtre blanc, toit à pignon, tuiles de céramique. Le donjon a bien tous les atours du classique donjon de château japonais. Sa taille modeste lui donne peut-être aussi un côté plus abordable et contribue au charme du lieu. Un charme que l'on retrouve à l'intérieur. Ici, le bois patiné par le temps invite le visiteur à la rêverie. Tout comme le paysage dévoilé par les fenêtres. Et si nous prenions le temps de dire deux mots sur les samouraïs? Pour commencer, une vérité qui risque d'en décevoir certains. Les samouraïs que vous croisez aujourd'hui dans les châteaux sont des comédiens. S'ils déambulent, jouent la comédie, prennent la pose ou simplement vous offrent un sourire. Le tout avec un juste équilibre entre le visage fermé d'un guerrier sans émotion et le sourire enthousiaste au moment du selfie avec un visiteur. Le samouraï, c'est aussi son armure. Laissons de côté celle de nos amis comédiens et découvrons quelques belles pièces authentiques. Casque ornementé, masque facial impressionnant, épaulière, plastron, une armure se compose d'une dizaine de pièces. Le tout avec le souci constant d'assurer un maximum de mobilité à celui qui la porte. Et comme la plupart des samouraïs étaient des cavaliers, même les chevaux ont leur armure. De longues allées bordées de tapis de mousse, une forêt à la moquette verte. Pas de doute, c'est le temple Seoji, situé pas très loin du quartier de Arashiyama à Kyoto. C'est un des rares temples où il vous faut demander une autorisation pour le visiter. Ce temple bouddhiste possède un jardin aux 120 mousses différentes, sans doute un des plus grands jardins de ce type au Japon.
Cela donne au lieu un aspect très mystique et la demande de visite augmente ce côté privilégié de pouvoir admirer l'harmonie de la nature ainsi représentée. Les tapis de mousse nous entraînent dans une atmosphère toute particulière que l'on ne retrouve pas dans les autres temples. Le lac central dans le jardin, qui, dit-on, forme un cœur, renforce ce côté paisible de l'ensemble. C'est une balade bien agréable qui attend le visiteur. À quelques pas du chemin des philosophes, on trouve à Kyoto le Ginkaku-ji, le pavillon d'argent. Ce temple bouddhiste possède un superbe jardin minéral. Sable et pierre dessinent une harmonie monochrome de lignes droites. Et si l'on élève le regard, on découvre une reproduction stylisée du mont Fuji dans un immense tas de sable immaculé. Ginkaku-ji est considéré aujourd'hui comme l'exemple parfait de ce que la culture japonaise peut faire en matière de simplicité dans le raffinement. Pourtant, il faut savoir qu'au moment de sa construction, le pavillon devait être entièrement recouvert d'argent et offrir une sorte de pendant au pavillon d'or. En tout cas, le lieu dégage un réel charme. Pierre, eau, mousse, arbres forment un ballet végétal et minéral au cœur duquel le pavillon et son architecture toute simple s'intègrent naturellement. Le donjon du château de Maruoka est le plus vieux des donjons japonais ayant encore une charpente en bois, un titre que certains lui envient. Autre signe distinctif, ici les tuiles sont en pierre et non pas en céramique, comme les fameuses statues des Shachioko, un cas aujourd'hui unique au Japon. Un long escalier de pierre, à la pente plutôt raide, permet l'accès au donjon. Une fois entré, premier moment d'émerveillement face aux teintes allant du caramel à l'acajou de l'intérieur en bois. Puis, nous découvrons les escaliers et leurs cordes à nœuds. Accéder aux différents niveaux du donjon se mérite en effet. Le donjon n'est pas grand et c'est sûrement pour en optimiser l'occupation que les escaliers font plus penser à des échelles. Dernier niveau, qui servait de point de guet, ouvre sur la vallée environnante avec un paysage typique des campagnes japonaises.
Il y aurait beaucoup à dire sur le parc Ueno. Ueno Onchikoen, en version originale, est situé au nord-est de Tokyo. C'est non seulement un immense parc, mais on y trouve aussi un zoo et des musées. Mais intéressons-nous au lieu durant le printemps. Le parc Ueno est en effet un des endroits les plus prisés des Tokyoïtes pour fêter l'Hanami. Dès l'éclosion des premières fleurs, les décorations printanières et les promeneurs envahissent les allées. Les vastes pelouses sous les cerisiers sont elles réquisitionnées. Bâches bleues et vertes viennent former une mosaïque colorée au sol et appellent tout à chacun à venir faire une pause sous les branchages. Organisation nippone oblige, d'immenses bacs de tri sélectifs sont même installés. Il ne reste plus qu'à profiter de l'instant, la règle d'or durant l'Hanami. À quelques pas du parc Ueno se trouve Ameya Yokosho. Il s'agit d'un immense marché à ciel ouvert dont les échoppes longent la Yamanote Line. Pour nous, il y a aussi un point de repère important. On trouve un Yodobashi Camera juste à l'entrée. Les raisons pour venir et faire un tour sont multiples, car on y trouve de tout, fruits, légumes, épices et quantité d'autres mets pour se remplir l'estomac. Mais aussi, des articles de maroquinerie, des t-shirts en tout genre, et bien sûr des babioles et colifichets par centaines. Reconnaissables à leur lanterne rouge, le marché regorge aussi de petits restaurants qui ne reculent devant rien pour attirer le chaland. On ne repart pas de Kamakura sans avoir visité le Daibutsu. Ce grand Bouddha d'extérieur, situé dans le temple de Kotoku-in, est l'une des plus célèbres représentations de Bouddha que l'on peut voir au Japon. Et effectivement, c'est impressionnant. D'une hauteur de plus de 13 mètres, ce Bouddha accueille les fidèles dans la contemplation. Cet immense visage pousse le visiteur à la sérénité et impose le respect. Un peu à l'écart des autres temples de Kamakura, le Daibutsu est sans aucun conteste la plus belle chose à voir dans cette ville. Bienvenue aux ruines de Takeda, le Machu Picchu japonais. Certes, un peu moins connu que son homologue sud-américain, le site n'en draine pas moins un nombre toujours croissant de visiteurs. Il ne reste aujourd'hui que les hauts murs de pierre taillés dans la montagne,
qui délimitait les différentes enceintes du château. Pour essayer de préserver au mieux le site, la visite est balisée. Elle nous entraîne jusqu'au pied des restes du donjon, avec ici quelques marches qui devaient desservir une tour, puis nous replongeons vers les enceintes extérieures. À nouveau, les hauts murs de pierre nous dominent, et nous découvrons de larges espaces où, il y a bien longtemps, devaient se trouver les casernements des samouraïs. Avec un peu d'imagination, on entendrait presque le son lointain de leurs entraînements. Le château de Nagoya fait partie de ces châteaux situés en plein centre-ville, au cœur de ce qui est aujourd'hui un immense parc et qui, hier, était les enceintes de défense. Le donjon, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, abrite un musée, mais l'apparence extérieure, elle, est restée fidèle au plan d'origine. Et c'est vrai que sa haute silhouette blanche aux tuiles vertes en impose. Face aux dizaines de fenêtres à barreaux, aux multiples toits à pignons cachant eux aussi des ouvertures, aucun doute possible, il s'agissait d'un ouvrage défensif. Pourtant, il y a dans les lignes des toits, dans l'architecture même du bâtiment, cette volonté constante dans les châteaux japonais d'offrir aussi du beau. Ajoutez-y quelques cerisiers en fleurs et le tour est joué. Un donjon qui, de jour comme de nuit, veille sur la ville.